En Australie, une voiture a fauché une foule de piétons dans un quartier très fréquenté de Melbourne. Au moins 13 personnes ont été blessées, certaines grièvement. La police de l'État de Victoria a annoncé l'arrestation du conducteur du véhicule qui avait fini sa course dans une borne. Elle a aussi arrêté un autre homme. Pour elle, il s'agirait d'un acte délibéré, mais les motivations ne sont pas connues. Alors, cet acte est-il en lien avec le terrorisme ou non? Depuis les attaques aux camions ou voitures béliers de Nice, Berlin, Londres ou Barcelone, l'hypothèse vient à l'esprit de tous les enquêteurs.